Laissez-le. C'est trop tard. Transportez-le à l'ambulance. Tablier. Gourde. Cela ne peut pas attendre. Je suis officier. Vous devez vous occuper de moi. Je n'ai que faire de votre grade. Il n'y a de priorité que la gravité des blessures. Et vous, vous survivrez. Marie-Elisabeth, ma femme et moi serions curieux de voir l'une des ambulances volantes que votre mari, le baron Larré, a créées. J'ai ouï dire qu'en Égypte, il les aurait adaptées pour pouvoir utiliser des dromadaires afin de transporter les blessés. Égypte est un lointain souvenir. Mais lorsque mon mari rentrera de campagne, je lui demanderai de vous en présenter une. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons reçu une lettre et un tableau prussien du général Blücher. Car figurez-vous que mon mari a sauvé son fils sur le champ de bataille. Soigner un ennemi, je reconnais bien mon mari. Au baron Larré. Au baron Larré. Au baron Larré. Plus à l'ouest. Nous avons subi de lourdes pertes, c'est tout un régiment qui est tombé. En premier lieu, nous devons mettre ces blessés en lieu sûr. Mon unité s'est approchée déjà bien plus de la ligne de feu que ce qui lui avait été ordonné. Et à l'ouest, j'ai entendu que le maréchal Ney arrive en renfort avec tout son régiment. Ce n'est pas le maréchal Ney, mais les Prussiens qui sont arrivés. Ils nous sont tombés dessus sur le flanc droit. Le moral des hommes est au plus bas. Monsieur Larré, dépêchez-vous! Les forces prusses ont rejoint la coalition britannique. Toi, va me chercher ce cheval. Je réquisitionne. Que faites-vous? Évacuez-les au camp. Je vous rejoins. N'y songez pas, c'est de la folie! C'est un miracle que nous soyons encore en vie. Vous ne savez pas si la ligne de feu est dégagée.
Songez-y, monsieur l'arrêt. Vous avez une famille. Quelle est la direction? À l'ouest de la Sambre, monsieur. Yeah! Isor, tu reviens immédiatement à table. Tu veux nous faire honte devant nos invités? Si ton père était là... Mais de quel père me parlez-vous, mère? Hippolyte ne sait même pas à quoi il ressemble. Et puis, recevoir des présents lorsqu'il sauve des ennemis devient un rituel. Comme les filles de joie que lui a octroyé le chef des Mamelouks en Égypte. Dieser Schurke atmet noch. Aber das ist Napoleon. Ich traue meinen Augen nicht. Das ist er. Du lässt also deine Armee im Stich. Du dreckiger Feigling. Wo willst du denn hin? Er soll wie ein gewöhnlicher Soldat erschossen werden. General Blücher hat's gesagt. Er wird uns nicht mehr belästigen. Warte. Bringen wir ihn zurück. Vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Ja. Er muss bestimmt auch Wertgegenstände bei sich haben. Ich will seine Stiefel. General Blücher, er befindet sich vor dem Erschießungskommando. Laden! Ha, 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 ha.